الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. صلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dernier verset révélé. Une question extrêmement importante. Mais plutôt, c'est un moment exceptionnel, plutôt que le dernier verset. Déjà, dès le départ, ça peut vous étonner certains parmi vous, il n'y a aucune certitude absolue d'un tel ou tel verset. Des fois, la communauté musulmane a accepté certaines réponses. Moi, durant ma vie d'imam, à peu près 38 ans, personne n'est venu et m'a dit, par exemple, est-ce que c'est vrai que ce verset est le dernier? Dès le départ, je vous dis que le verset que beaucoup de musulmans, même certains savants, disent que c'est « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina » Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, je vous ai accordé mes bienfaits. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Certes, la révélation de ce verset est exceptionnelle. Mais ce verset est révélé 6 mois avant la mort du prophète alayhi salatu wasalam. Et il y a certainement, les savants sont unanimes comme quoi il y a d'autres versets qui étaient révélés. Donc déjà, c'est la première chose. Peut-être avec un frère ou une sœur, ou quelqu'un de notre communauté, il vous expliquera le moment de la révélation de ce verset de la sourate Al-Ma'ida, la table servie, qui est le verset 3. Mais il n'est pas le dernier. Avant de vous donner la version la plus plausible, vous devez peut-être me demander, mais pourquoi vous avez choisi ce sujet? Ce n'est pas évident. En vérité, c'est le moment qui m'intéresse le plus important. Ce n'est pas quel verset, mais le moment où le prophète Mohammed a quitté ce monde. Parce que la vraie catastrophe, ce n'est pas seulement la mort du prophète. Normalement, aucun musulman ne doit exagérer dans son deuil. Malgré la mort de n'importe qui, les parents, les enfants, n'importe qui. Le prophète alayhi salatu wasalam nous a accordé un moyen pour atténuer nos douleurs. Et que, avec cette croyance et surtout cette conviction, je crois aujourd'hui il y a un problème de conviction. On est très, alhamdoulilah, grâce à Dieu, on est très attaché à l'islam. Mais peut-être, certains niveaux de conviction nous manquent. C'est qu'on préfère la religiosité à la spiritualité. Et des fois, on se limite à l'écorce du texte et on n'essaye jamais d'aller au noyau, aux profondeurs de ce texte. Beaucoup de gens me pose des questions, est-ce que c'est licite, illicite? Il y a très peu de gens qui posent la question, est-ce que c'est beau ou laid? Parce que même des fois s'il est cite, parce qu'il n'est pas accompagné par la beauté, ben même ce texte a un impact très limité. C'est pour ça, faites attention quand vous vivez cette religion, vous devez trouver du goût, vous devez dégager du goût. Normalement, lorsqu'on dit salam alaikum, bonjour, bonsoir, ben les gens doivent déguster le bien, la bonté, la gentillesse, la paix, la sérénité, la certitude et ainsi de suite.
Tout d'abord, le prophète a dit, si l'un de vous est éprouvé par une catastrophe ou un malheur, qu'il se rappelle ma mort, son deuil sera certainement atténué. Je ne vous souhaite jamais aucun malheur, mais voilà, tout le monde souhaite le bonheur. Mais la logique que Dieu a mise dans ce monde, c'est que le malheur et le bonheur sont parallèles. On ne peut pas vivre avec l'un sans l'autre. Impossible. Et peut-être qui fait la valeur du bonheur, c'est justement certains moments où on a traversé des moments de douleur. Si j'arrive à vous inculquer cette notion de relatif, tout est relatif. Tout, le seul absolu, c'est Dieu. C'est ma propre conviction. Il n'y a aucune chose qui ait une finalité en elle-même. Pourquoi sa malheur est la plus grand, est le plus grand malheur? Normalement, nous avons deux compagnons. Deux compagnons qui ont vécu avec le prophète, l'un depuis le début, l'autre d'une manière très intense. Il n'était pas depuis le début, je parle à Abou Bakr, dès les premiers jours, il était avec lui. Il n'a jamais abandonné le prophète, il est tout le temps présent, Abou Bakr, le premier compagnon. Le deuxième, c'est Omar. Omar nous a enseigné quelque chose que je vous souhaite, d'avoir le 1 millième, le 1 milliardième, c'est que récupérer le temps perdu. Il s'est converti après la sixième année de la révélation. Avant lui, il y avait beaucoup de gens qui étaient convertis avant lui. Mais il a réussi à escalader. Vous les Genevois, vous aimez l'escalade, donc. Il a escaladé les demeures de la piété et de l'honneur et de la sincérité jusqu'à ce qu'il est devenu deuxième. Peut-être qu'on ne vous a pas dit ça. S'il avait la possibilité de prendre la première place, il l'aurait fait. Il a essayé. Vous le savez certainement. Il a essayé. Mais Abou Bakr, radiallahu anhu, le premier compagnon, marchait tranquillement. Mais il était très consolidé, très sûr de son pas. Peut-être le pas d'Abou Bakr est égal à 1 km ou à 10 km de certaines personnes. C'était une force tranquille. Le jour où Abou Bakr, Omar a donné la moitié de son patrimoine. Moi, je ne connais personne qui ferait ça. C'est-à-dire la moitié de ce qu'il possède. Et il s'est dit, aujourd'hui, je vais être le meilleur. Il voulait être en première place. Et lorsque l'autre, Abou Bakr, est venu, le prophète lui a dit, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? J'ai déjà apporté toute ma fortune, j'ai laissé à ma famille Dieu et son messager. Tout simplement. À ce moment-là, Omar a dit, je sais que je ne pourrai jamais être à la hauteur d'Abou Bakr. Pourquoi vous dire ces deux noms? C'est parce que normalement, ce sont les deux brillants élèves du prophète. Et qu'un jour, ils ont visité, après la mort du prophète, ils ont visité sa nourrice. La nourrice du prophète, elle l'a connue depuis son enfance, jusqu'à la fin de sa vie. Donc, elle connaissait Mohammed depuis toujours, avant qu'il soit né. Et il a accompagné l'enfance, la jeunesse, et jusqu'à sa mort. Elle est d'origine éthiopienne. Je ne sais pas est-ce que vous avez goûté la cuisine éthiopienne, elle est très très bonne. Il y a des Éthiopiens ici? Oui, il n'y a pas. Et le prophète, aimait aller manger chez elle, parce qu'elle avait une cuisine différente de celle de la Mecque. C'est ça la raison. Il aimait aussi aller manger chez Maria al-Qibtiya, la copte, parce qu'elle lui préparait aussi une cuisine égyptienne différente des Arabes. Donc, de temps en temps, choisissez d'autres cuisines dans la famille, comme ça. Voilà. Ça, c'est seulement, je vous glisse le petit conseil. Vous voulez m'inviter, j'accepte. Hein.
Je reviens sur les deux compagnons, ils reviennent et ils visitent la nourrice et ils la trouvent en train de pleurer. Et Abou Bakr voulait la soulager. Et qu'est-ce qu'il lui a dit ? Pourquoi tu pleures ? La résidence du prophète, alayhi salatu wasalam, actuellement, après sa mort, est meilleure que vivre ici, à Médine, en Arabie. Il est déjà avec les prophètes. Il est déjà au paradis, dans ce monde exceptionnel, qui est le monde entre la vie terrestre et la vie future, qu'on appelle Alamul Barzakh, les deux mondes, entre les deux mondes. Elle, étonnée de la question, répond spontanément, « Mais je ne pleure pas à cause de la mort du prophète. » Et pourquoi tu pleures donc? Elle dit, je pleure parce que la révélation s'est interrompue. Il n'y a plus de révélation. Et je crois que c'est ça la grande catastrophe. C'est que les premiers musulmans avaient ce sentiment que à la moindre erreur, à la moindre traîtrise, Dieu pouvait, Allah pourrait révéler un texte qui les dénonce. Et il avait tout le temps ce sentiment attaché avec le ciel. Mais après sa mort, il n'y a plus. Certes, Dieu est toujours vivant. Et celui qui a répondu au premier, il est toujours... Le problème, ce n'est pas la réponse de Dieu. Elle est toujours là. Comme l'a dit très justement nos savants, n'ayez jamais le souci de la réponse de Dieu, mais ayez le souci de la formulation de votre demande. Et ça, le plus important. Est-ce qu'au moment où vous avez fait cette demande, est-ce que réellement vous étiez sincère? Donc, c'est une grande catastrophe pour cette communauté qui n'avait pas grande expérience au domaine de la révélation. Vous savez, Ibrahim alayhi salam avait deux fils, l'aîné Ismaël, le second Isaac, et que la lignée d'Ismaël, Ismaël, sont au nombre de quatre prophètes. Par contre, la lignée d'Isaac, on ne sait même pas le nombre. On ne sait même pas le nombre, tellement c'est incalculable. Personne ne pourra vous dire c'est tant et tant et tant. Le Coran a dit, et des prophètes que je t'ai racontés et d'autres que je ne t'ai pas racontés. Il y a un prophète que nous n'avons pas dans le Coran et les savants sont sûrs et certains que c'est un prophète. Il est dans la Bible, c'est le prophète Daniel. C'est un grand prophète, mais il n'est pas cité dans le Coran. Et après une absence de 6 siècles entre Jésus, fils de Marie, et Mohammed, il y a à peu près 6 siècles d'absence de révélation. Et tout d'un coup, elle arrive, elle n'a duré que 23 ans, et puis il est mort. Pour nous dire que le vivant par excellence, c'est Dieu. Et que celui qui adore Mohammed, Mohammed est mort. Et celui qui adore Dieu, Dieu est toujours vivant. Cette notion que le prophète, moi je simplifie, voilà. Le prophète c'est comme, de l'exemple, un excellent facteur. Il nous a apporté le message, et il nous l'a lu, il nous l'a interprété, et il nous a montré comment pratiquer ce message. Et puis il est parti. Mais l'expéditeur qui est Dieu reste toujours vivant. Nous prenons le prophète comme modèle, comment faire. Le comment, c'est lui. La finalité, c'est Dieu. On n'a jamais adoré Mohammed. Et on ne l'adorera jamais. On a adoré et on adorera, Inch'Allah, que Dieu. Mais il y avait cette miséricorde qui était tout le temps, cette fraîcheur, qui était tout le temps juste à côté de leur tête. Mais avec la mort du prophète, alayhi salatu wasalam, il n'y a plus.
Anas ibn Malik est un garçon qui a vécu au foyer du prophète, à l'intérieur. Sa mère est venue un jour, il n'y a pas beaucoup de mères qui ont fait ce geste. Elle a dit, messager de Dieu, tu as besoin de quelqu'un qui t'aide dans tes déplacements. Et après, que penses-tu si je te laisse mon fils Anas t'accompagner? Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'école publique ni quoi que ce soit, mais il y avait l'école de la prophétie. Et Anas, tu veux bien vivre avec moi? Il a dit, oui, j'aimerais bien. Il a dit, d'accord. Ce n'était pas le foyer où il y avait plus de nourriture ou de boissons et ainsi de suite. C'est tout à fait le contraire. Des fois, il passait un mois et le deuxième et le troisième et on n'allume pas un feu chez le prophète. Et on a dit, qu'est-ce qu'il mangeait? Qu'est-ce qu'il mangeait durant deux mois? Il a dit, les deux couleurs noires, c'est-à-dire l'eau. Aujourd'hui, vous buvez dans des verres, donc c'est pour ça l'eau est blanche. Mais dans le temps, il buvait dans des gobelets, pas en plastique, mais en terre. Et c'est pour ça il avait cette couleur noire. Et en plus, elle n'était pas très pure. Et il disait, il mangeait les deux, l'eau et les dattes. Mais ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait le savoir. C'est pour ça qu'Anas nous a apporté un savoir exceptionnel avec ses épouses, qui est la vie privée du prophète. Et Anas a rapporté cet événement. Lorsque le prophète est venu à Médine, tout est illuminé à Médine et elle est rayonnante. Mais lorsqu'il est mort, tout devient sombre. À tel point qu'on ne connaissait plus nos âmes qui est à l'intérieur de nos poitrines. Avant de commencer le parler réellement des derniers versets coraniques, en vérité, il y a à peu près 8 à 9 réponses du dernier verset. Moi, j'ai choisi certains pour essayer de les partager avec vous. Mais avant, il y a quelque chose d'extrêmement important. C'est que, quelles étaient les dernières paroles humaines du prophète, alayhi salatu wassalam. On tournait autour de 5-6 paroles du prophète, alayhi salatu wassalam, avant sa mort. Celles qu'il n'a pas dites. C'est qu'il n'a accordé à personne d'être le chef d'État après lui. Il a laissé à la communauté le soin de choisir le meilleur. Certes, il a laissé des signes. Mais pour détecter ces signes, il fallait être à proximité de ce groupe qui était autour du prophète. Mais il a laissé le soin à sa communauté de choisir. Et c'est ça le grand héritage que nous avons abandonné. C'est ça la plus grande catastrophe que les musulmans ont vécu depuis des siècles. C'est que on est entré dans une logique de despotisme et de système autoritaire. Mais lui n'a choisi personne, donc à exclure, ni son premier compagnon, ni son gendre, ni un membre de sa famille, personne. Il a laissé aux musulmans de choisir et ils ont choisi tout simplement son premier compagnon, celui qui s'est converti à l'islam au premier moment. Il a dit chaque personne a hésité, le seul qui n'a pas hésité c'est Abu Bakr. « Laissez-moi mon compagnon Abu Bakr radiallahu anhu. » Il a conseillé aux musulmans de se comporter d'une manière élégante avec les habitants de Médine, les Ansar. Parce que Dieu a choisi la Mecque, la mère des cités. Mais les habitants, les Mécois, n'ont pas voulu de ce message.
certes, le lieu reste exceptionnel. La Mecque restera toujours ce qu'elle est. C'est l'histoire de... l'histoire des hommes avec Dieu depuis qu'Abraham a construit ce bâtiment. Mais ils n'ont pas voulu. Ben, ils n'ont pas voulu. Tout simplement. Les lieux restent exceptionnels. Mais les habitants n'ont pas voulu. Donc, assumez votre décision, tout simplement. Je ne sais pas, est-ce que vous avez approché l'histoire? Mais depuis que le prophète a quitté la Mecque, il s'est installé à Médine. La Mecque n'a plus, à part le titre qu'elle avait, elle n'a plus de pouvoir politique, autoritaire. Non, elle est restée ce qu'elle est, un lieu exceptionnel, certes, un lieu de pèlerinage, certes, mais par rapport aux hommes, ben, ils ont quitté, n'ont pas voulu cet honneur. C'est eux, les responsables. C'est Médine où le califat s'est installé durant 40 années. Et puis le califat s'est installé à Damas, et de Damas à Bagdad, et après un peu partout dans le monde. Et on n'est plus revenu à la mer jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les habitants qui ont voulu. Ils assument leur décision. Mais ces gens-là, l'islam est resté concentré sur un petit groupe. Et tout d'un coup, ces gens ont rencontré le prophète et ils ont accepté, alayhi salatu wa salam. Et se sont convertis spontanément. Ils ont partagé leur fortune, leur bien, leur vie, et ainsi de suite. Et que le prophète n'a trouvé de moyen de les remercier que le fait de leur dire « J'ai vécu avec vous et je vais mourir auprès de vous. » Et jusqu'à aujourd'hui, les musulmans sont unanimes sur cette question. C'est que, moi je le dis tout le temps, que je n'ai pas visité Bagdad. Damas, elle est sous l'otage. Qu'Allah libère cette ville, Inch'Allah. Quand on entre à la Mecque, c'est un lieu sacré. On fait très attention. On fait très attention de faire une erreur. Parce que l'intention de faire du mal est comptée à la Mecque. La seule exception. Mais quand on arrive à Médine, on est heureux. On ne sait pas pourquoi. C'est un lieu qui nous comble de joie et de satisfaction. Tous les musulmans sont unanimes, disent subhanallah. On est heureux à Médine. Et c'est vrai. Médine, c'est... ben voilà, c'est... c'est la plus belle ville, la plus heureuse, la plus joyeuse, la plus accueillante, la plus hospitalière. Et on ne sait pas, on se sent qu'on est chez nous. Même si on arrive des quatre points cardinaux de la terre, mais à Médine, on est chez nous. Et le fait de résider à Médine, de mourir à Médine, ça c'est un cadeau exceptionnel. Qu'Allah vous l'accorde, Inch'Allah. Donc il a conseillé aux musulmans de préserver les habitants de cette cité. Donc faites attention. Si vous allez à Médine, comportez-vous d'une manière élégante avec les habitants de cette ville. Parce que grâce à Dieu et grâce à eux, cet islam a changé de statut individuel à un statut qu'on n'avait pas. C'était le statut d'être une communauté, une cité, un système. Deuxième conseil qu'il a fait, il a ordonné à ce que dans l'Arabie, que l'islam s'installe et que ça doit être un devoir des musulmans. Cette terre, c'est la terre de l'unicité de Dieu. Il ne faut garder que la religion de l'unicité de Dieu. C'était un de ses derniers conseils. La troisième conseil, il nous a conseillé de préserver la prière, de garder la prière. Et il paraît que c'est la dernière parole qu'il a prononcée, c'est la prière,
et les gens qui sont sous votre responsabilité. À l'époque, les esclaves qui restaient. Par analogie aussi, ceux qui travaillent pour vous. Et un jour, on a demandé à Umm Salama, est-ce que le prophète vous a conseillé quelque chose? Il a dit oui. Il a dit, qu'est-ce qu'il a conseillé? Elle a dit, elle nous a conseillé de s'attacher tout le temps avec le livre d'Allah. Awsana bi kitabillah. Avant de parler de ce dernier verset, ben j'aimerais bien tout d'abord vous dire que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son livre وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. C'est ainsi qu'on t'a révélé un esprit de notre part. Tu ne savais. Tu ne savais ni le livre ni la foi. Mais c'est un cadeau de notre part qu'on t'a accordé. C'est que le Coran a été qualifié d'esprit, de ruh, littéralement une vie. C'est que ce Coran est arrivé à ce peuple, qui était le peuple arabe. Il avait quelques mérites, mais lui trouver une civilisation, c'est très rare dans l'histoire d'Arabie. C'est très peu avant l'islam. Quelque part au nord, la cousine de Petra, et quelque part au nord d'Oman, un peu au Yémen, voilà, et la Mecque, un peu. Mais quelque chose qui... grande civilisation comme persane ou romaine ou grecque, byzantine, ben on n'avait pas. Et que ces gens bédouins qui étaient du désert, il aurait suffi de quelques années pour qu'ils installent une civilisation. Aujourd'hui qu'on qualifie d'islamique. Et ce titre islamique est encore présent. Il est même aujourd'hui islamique lorsqu'on parle d'économie, même dans les sphères occidentales, on parle d'économie islamique, qu'on le veuille ou non. Ben, c'est quelque chose d'exceptionnel que cette religion a fondé une civilisation. Il y avait d'autres. Mais elle a fait quelque chose de différent. Elle n'a pas imité, elle n'a pas plagié, elle n'a pas voulu suivre les courants et ainsi de suite. Elle a la sienne et cette communauté a réussi. A réussi par un moyen qui nous manque. Un moyen qui manque énormément aux musulmans. Certes, il n'y a pas un musulman qui l'ignore. Si je vous pose la question, quel est le premier verset? Tous, vous allez dire, Iqra, lis. Mais c'est ce qui nous manque. C'est le savoir. C'est ce qui manque à cette communauté, même aujourd'hui. C'est que ce savoir. Et quand le Coran a dit, mais il vous ordonne d'être des gens qui s'attache à Dieu, parce que ta'alamoun al-kitab, ta'alamoun, vous saviez le livre. Mais il y a une autre version, une autre récitation coranique qui dit wa tu'allimoun. Pas seulement ta'alamoun, savoir, mais enseigner. Mais vous le savez bien que le savoir que l'islam a emmené avec lui, dans ses bagages, ben, il a touché presque tous les domaines. Un jour, à l'époque, on n'avait pas les applications pour savoir l'horaire de la prière. Et j'ai contacté l'observatoire de Genève, à l'époque. Et j'ai oublié le nom du responsable et je l'ai harcelé. Pour m'aider à établir l'horaire de la prière pour la mosquée de Genève. J'étais l'imam de la mosquée de Genève durant plusieurs années. Et puis à la fin, il me dit, monsieur l'imam, pourquoi
on ne cessait de me poser cette question sur ses horaires. Il dit, parce que, ben, il dit, mais c'est bizarre, monsieur l'imam. Wallah, je le jure, il m'a dit ça. Il a dit, mais vous savez que l'astronomie, c'est que vous êtes parmi les pères fondateurs de cette science. Il voulait dire, pourquoi vous n'avez rien? Ben aujourd'hui, c'est ça notre problème, c'est qu'on a apporté la science à d'autres, que peut-être d'autres personnes en ont profité. Quel est le dernier verset révélé? Je vous le répète, pour ceux qui étaient absents, c'est qu'il n'y a aucun verset coranique, ni aucun hadith du prophète alayhi salatu wasalam, qui fixe que le dernier verset est un tel. Il n'y a pas. Il y a seulement des avis de compagnons ou certains savants. Donc même le choix que la majorité des savants ont choisi, c'est que ben, il n'a pas fait l'unanimité. Mais ça reste, c'est que c'est la réponse la plus plausible. Premier donc, c'est le verset 281 de la sourate 2 qui dit « وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » Ce verset, il est révélé, on a dit 21 jours, et le deuxième, il est révélé 9 jours avant la mort du prophète alayhi salatu wasalam. Que dit la traduction de ce verset? Redoutez le jour où vous serez tous amenés à comparaître devant Dieu et où chacun sera largement rétribué selon ses œuvres sans subir la moindre injustice. Selon Ibn Abbas, c'est le dernier verset. Quand j'ai choisi ce sujet, frères m'ont proposé, voilà, j'ai choisi le dernier verset. Des fois, on m'a posé la question, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez imam? Je réponds tout simplement, sans aucune fausse modestie, que j'assiste aux conversions, j'accompagne les gens intéressés, ça j'aime énormément, énormément. Moi je ne collectionne pas les petites voitures ou les timbres ou quoi que ce soit, moi je collectionne les conversions. J'aimerais bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en acceptant une, ben, m'accorde le plus grand degré du paradis. Voilà. Mais on a seulement accompagné. On n'est jamais allé frapper aux portes et ainsi de suite. Tout le mérite revient aux personnes eux-mêmes. Tout simplement. Et des fois, le premier étonné de ses conversions, wallah, c'est moi. Je dis, mais comment ça se fait? Mais vous savez que... Voilà. Bon, des fois, on a facilité un peu les choses. Poussé un peu, oui, c'est vrai. Des fois même, on a, d'une manière ou d'une autre, un peu joliment piégé. Je l'ai mis un peu, un tout petit peu. Hein. Le jour où Satan m'est venu, il m'a dit, monsieur l'imam, je veux devenir musulman, mais à condition. Il ne faut raconter ça à personne. Hein. Et pour moi, c'est un honneur. Pour moi, c'est un honneur ce jour-là. Je ne sais pas quelle mouche m'a piqué. Je lui ai dit, mais c'est quoi votre condition? Il m'a dit, je ne veux pas abandonner ma copine. Je l'aime énormément. Elle-même, voilà. Elle n'est pas intéressée, mais voilà. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, tu m'as rien dit. J'ai dit, tu m'as rien dit. T'es sûr? J'ai dit, tu m'as rien dit. Tu veux l'islam? Oui. Ben, vas-y. Ah, ma copine, je te dis, tu m'as rien dit. C'est tout simplement. Une année et demie, c'est elle qui est venue me dire, moi aussi, je veux comme mon mari. Ils se sont mariés, ainsi de suite. Donc on n'a rien perdu. Un autre jour, un Français de Lyon est venu, voilà, il est décédé. Il m'a dit, cher, voilà, on m'a dit que vous êtes un imam, voilà, comme ils disent, ouvert. Mais tous les imams, normalement, ne sont ouverts. Tous les musulmans doivent l'être. Tous les musulmans.
tous les êtres humains doivent être ouverts, tous sans exception. Il m'a dit, oui, il paraît que l'islam a interdit l'alcool. Il dit oui, mais pour un Lyonnais, c'est difficile. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Il dit, voilà, si vous faites une exception, je suis prêt à devenir musulman à part l'alcool. À part l'alcool, je suis prêt. Dis-moi, je ne peux pas te donner l'exception, mais tu ne m'as rien dit. Tu ne m'as rien dit. Donc, voilà, faites-le. Je l'ai fait. Ben, pour vous dire que la guidance, elle provient d'Allah, de Dieu, tout simplement. On ne peut pas, voilà, il ne faut pas courir derrière les gens, mais il faut les accompagner. Quand vous êtes sollicité, quand on vous demande votre aide, que le souci ne soit pas de convertir les gens, parce que les cœurs sont dans les mains de Dieu, mais seulement que vous soyez exemplaires. Ne dites pas des monstruosités, des bizarreries, ainsi de suite. Donc, je reviens. Je reviens sur ce moment exceptionnel, sur ce jour. Wattaqu yawman. J'ai choisi ce thème pour vous parler de ce jour. Que normalement, on doit tout le temps vivre avec. Le jour où tous les hommes vont rencontrer Dieu. Où tous les humains, les mauvais comme les méchants, les croyants comme les non-croyants, le blanc, le noir, tous vont être exposés. Et lorsque Dieu dit « Yawman », là, ça, il n'a pas dit « quand ». Un jour, on lui a dit « mais pourquoi tu ne souris pas énormément ?» Il dit « comment vous voulez que je souris ?» Et l'ange de la trompe, l'ange Israfil, tient la trompe, il est prêt à souffler pour la destruction de ce monde. Un autre jour, il a montré l'horizon ouest, il a dit, et c'était à peu près le coucher du soleil, il a dit, vous voyez ce coucher du soleil? Ils ont dit oui. Il a dit, ce qui reste de la vie, c'est comme ce qui reste de votre journée. On a déjà traversé la majorité. Donc on s'approche de la fin, mais en vérité, c'est quand la fin? On ne le sait pas. Mais normalement, on le sait. Parce qu'il y a deux fins. Il y a l'une collective et là un moment. Mais si le Coran a dit « Iqtaraba linnasi hisabuhum » connaissez ce verset? Le moment de rentre des comptes est tout près. Mais en vérité, il y a plusieurs jours de jugement dernier. C'est au nombre de chaque être vivant qui meurt. Les savants ont dit « Man mata qamat qiyamatu ». Celui qui est mort, dans son jour de jugement dernier, a commencé. C'est pour ça que ce verset vous dit « Attention de rencontrer » de vivre ce jour-là et vous serez totalement en banqueroute. Vous serez totalement en faillite. Vous serez totalement mis à l'écart. Parce que tous les musulmans, tous les êtres, je crois, tous les croyants souhaitent le paradis. Et on s'y attache énormément. Peut-être on ne fait pas assez pour l'avoir. Mais je vais vous étonner en vous disant, nous habitons ici à Genève, ou bien en France voisine, pour vous dire que le paradis, déjà, il est là. Il est là, à côté de la Clément. Il est là, le paradis. Et que celui qui n'accède pas à ce paradis, ici, chacun où il vit,
ben il n'aura jamais l'autre. Et à ce moment-là, quelqu'un a posé la question à un savant, lui dit, mais il est où ce paradis? Il parlait de Damas. Lui, il a dit, à Damas, il y a un paradis, celui qui n'y vit pas, il n'aura jamais l'autre. Et un des élèves a dit, mais il est où ce paradis? Il a dit, il est à proximité de Dieu. C'est-à-dire, où vous êtes, vous devez déjà être dans le paradis. Le paradis de sentir qu'il est à côté. Le paradis de l'adoration. Le paradis d'être touché tout le temps par sa grâce. Le paradis de faire le bien. Le paradis d'être spirituel. Le paradis de tout le temps comparer entre sa vie en public et sa vie en privé. Et vous sentez que vous, dans la vie en public, vous êtes autant positif et meilleur que dans votre secret, que vous n'avez pas une double vie, que dans le secret vous êtes excellent. En public, à côté des gens, vous êtes excellent. Quand vous vous rappelez de Dieu, aujourd'hui, maintenant, devant tout le monde, et chacun s'est habillé, s'est parfumé, est venu. Ben, normalement aussi, en secret, nous devons aussi être bien habillés, bien parfumés, se sentir juste, se sentir bon, comme il vous est interdit de montrer une mauvaise image devant les gens. Et que chacun aujourd'hui, essaie toujours de montrer l'extérieur comme il est bien, voilà, bien maquillé, bien rasé, bien ceci, bien cela. Et des fois je dis même bien barbu, bien voilé. C'est-à-dire on s'intéresse seulement à la coquille. Tout simple. Des fois on est, je l'ai dit seulement hier, j'ai dit que certains musulmans sont devenus purement des consommateurs de la religion. C'est-à-dire on consomme. Des fois, malheureusement, l'islam de certains est devenu, comme ce mot que je déteste, une addiction. Mais en vérité, c'est la grâce de l'islam. C'est qu'il n'y a personne qui nous écrase pour vivre notre religion. C'est dans la joie et le bonheur qu'on est des musulmans. Et des fois, on n'a pas besoin. Des fois, il suffit de voir. On n'est pas des devins, mais des fois, il est tout simplement simple de voir un visage et de détecter le bonheur ou la douleur, ou ainsi de suite. Si le Coran a dit, si imahou fi wujuhihim, les signes de leur foi sont visibles sur leur visage, ben voilà. Essayez de donner de l'intérêt. Et à l'extérieur, je ne dis pas que l'extérieur ne fait pas partie de l'islam. Si, certes, mais n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que notre prophète, alayhi salatu wassalam, a dit. Et dans le corps, il y a un organe. Vous connaissez ce hadith? Et dans le corps, il y a un organe. S'il est parfait, tout le corps est parfait. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. Ala wa hiya al-qalb. Donc c'est le cœur. C'est pour ça, c'est bien. C'est bien de temps en temps de faire son autocritique, une notion qu'on n'a pas. C'est bien de temps en temps de se donner une note. Qu'est-ce que de revoir la journée? Comment était votre journée? C'est-à-dire le bilan. Comment était votre semaine? Comment était votre année? Et tout le temps renouveler votre foi. La foi, normalement, elle doit être renouvelée. Vous connaissez ce mot, renouveler? Ben, c'est un ordre. Renouveler votre foi. Ils ont dit, mais comment renouveler notre foi au messager de Dieu? Il a dit en disant, la ilaha illallah. C'est-à-dire un nouvel engagement avec Dieu. On oublie, on efface le passé et on commence une nouvelle relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien de lire le Coran, mais c'est mieux de le vivre.
quand il vous dit وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ, et avec vous, il y a des gens qui vous protègent. Pas des gens, des anges qui vous accompagnent et qu'ils inscrivent tout ce que vous faites. Est-ce que réellement nous vivons avec cette notion d'être accompagné? Et surtout, plus qu'un ange, on a dit, la taj'alillaha ahwana an-nadirina ilayk, ne faites pas que Dieu est le mauvais témoin. Ça, c'est une parole exceptionnelle. Faites à ce que Dieu ne soit jamais le mauvais témoin. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, le mauvais témoin? C'est qu'aujourd'hui, est-ce que quelqu'un parmi nous osera faire quelque chose de mauvais maintenant? Ben, impossible. Par respect à l'assistance, la séance, voilà. Quelqu'un à côté de ses parents, de son épouse, sa femme, et ainsi de suite, dans son bureau, il ne peut pas faire une erreur. Parce qu'il a une image à garder, à préserver. Mais quand il est quelque part, seul, ben il ose faire cette chose-là. Ben qui est témoin? Ben c'est Dieu. Mais son comportement prouve qu'il a accordé à Dieu le mauvais témoin. Moi, je vous invite à accorder à Dieu le meilleur témoin. C'est-à-dire qu'il soit le témoin de ce que vous faites d'excellent. Parce qu'il est toujours témoin. Mais faites-le par votre chef, propre chef. Ce jour-là, comme je viens de le dire maintenant, est basé sur des règles. Et la première règle, c'est justement que tout ce que vous faites sera inscrit. Et ça, c'est quelque chose que normalement doit vous faire peur. Lorsque quelqu'un, le criminel va crier, va dire à haute voix, mais pour que ce livre n'oublie aucun péché, qu'il soit minime ou qu'il soit grand, que tout est inscrit. Quand Dieu dit « Ahsahu Allahu wa nasu », ils l'ont oublié, et Allah a tout. Le mot « Ahsahu » recensé, tout est là. Ben imaginez parmi les mêmes, moi je vous parle de ce jour. Si j'arrive à vous convaincre à ce que nous tous, nous changeons de comportement et que nous soyons tous, partir même de ce soir, ce n'est pas trop tard, hein, de vivre cette élégance de l'islam et que tous les musulmans connaissent ce hadith. Lorsque l'ange Gabriel est venu, il a posé des questions. Vous connaissez ce hadith? Il a posé la première question sur l'islam, l'iman, et puis sur l'ihsan, l'excellence. Il est donc dans notre religion que nous devons avoir l'islam, la foi, et nous devons aussi avoir l'excellence. C'est que nous montrer aux hommes, nous montrer à Dieu que ce qui est excellent. L'excellence est au-dessus, de ce qui est juste. C'est juste et plus. Parmi aussi les règles de ce jour, c'est la justice divine. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. Et chaque homme, avec le grand H, sera exposé avec son sort accroché autour de son cou. Lis ton livre, tu seras le seul juge sur ta propre personne. Tu seras le seul qui va rendre des comptes sur ce que tu fais. Vous savez, parmi les noms de ce jour, il est dit وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ, et avertis-les du jour du regret. يَوْمَ الْحَسْرَةِ, on va regretter
on ne va même pas regretter des comportements. On va même regretter des absences. Pourquoi j'étais absent? Pourquoi tout le monde était présent et moi j'étais absent? On va regretter une soirée qu'on a vécue dans un oubli total. On va regretter le jour où on a osé commettre ce qu'on ne devrait pas commettre ou consommer ce qu'on ne doit pas consommer. On va regretter un jour où on a prononcé un mot tellement nauséabond que ses effets sont graves. Des fois, certaines personnes insultent Dieu sans se rendre compte que on dit blasphème. Mais c'est énorme. Déjà, insulter l'être humain, c'est très grave. C'est réduire l'être humain à une insulte. Mais comment insulter la divinité? Comment oser se moquer de Dieu? Comment oser dire de lui des atrocités au laïa double? Vous savez, le prophète a dit un hadith, il a dit, si quelqu'un, depuis sa naissance, se prosterne à Dieu, il se prosterne depuis la première minute de sa vie, depuis la première. Moi, je suis né le 2 octobre 1954, le 9 octobre à 2h du matin. À 2h du matin, le 9 octobre 54, dans la ville de Fès. Voilà, vous connaissez tout. Mais imaginez, si j'adorais Allah depuis ce 2h du matin, un samedi, je serais exposé devant Dieu et je regretterais. Pourquoi ce que j'ai fait n'est pas assez? Parce que mon Seigneur mérite énormément. Et lorsqu'on constate, on sait que durant notre vie, il y a des moments où on n'a pas pratiqué, vu qu'on n'était pas responsable, on n'était pas pubère. Et lorsque ça s'ajoute, nos chutes, nos failles, nos oublis, et combien sera le compte? J'aurais aimé que tout le monde écoute ce qu'on disait des fois dans une émission sur France 2, le compte est bon. On aimerait bien que tout le monde entende ce mot, le compte est bon, positif. Et on n'a aucune garantie, on n'a aucune. Parmi les gens sauvés, parmi les gens qui seront au paradis, ce jour-là, ce dernier verset révélé, Dieu va lui dire, un tel, fils d'un tel, viens ici, approche. Et il approche. On n'a aucune description réelle, physique, de ce moment. On a le déroulement, mais une description, voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le Coran nous a rapporté des événements. Le prophète alayhi salatu salam nous a raconté des événements qui auront lieu, mais où? C'est exceptionnel. C'est pour ça, c'est du monde de l'invisible, le monde inconnu. Lui, il le sait. Ce que nous devons, c'est avoir la certitude qu'on aura ce jour et qu'on nous y sera. Mais parmi ces hommes, quelqu'un, Dieu va lui dire, approche. Et il approche. Et puis il lui dit, encore. Et il approche. Et puis tellement Allah l'aime, il dit, approche. Et lui, il approche encore. Et il se approche, et il approche, et approche, jusqu'à ce qu'il devienne tout près. Quelle distance, Allah alam. Ce n'est pas cette distance cartésienne que vous connaissez, que vous calculez un mètre. Il ne faut jamais donner d'image. Ce n'est pas un tribunal de l'assise ou ceci. Non, ce n'est pas ça. C'est une autre dimension. Et lui dit, approche. Et quand il est suffisamment proche, le prophète a dit, « Fayulqi alayhi kanafahu wa sitra. » Et il jette sur lui son secret et il l'approche auprès de lui pour que personne n'entende ce qu'il va lui dire.
il ne voulait pas divulguer son secret. Et lorsqu'il est là, il lui dit, tu te rappelles le jour où tu as fait? Elle dit, oui, mon Seigneur. Naam, ya Rab. Elle dit, je l'ai caché durant ta vie et je le cache aujourd'hui. Il est heureux. Mais lui seul, il sait qu'est-ce qu'il a commis. Et il commence, Allah subhanahu wa ta'ala, après ça, de lui dire tout ce qu'il a fait. Et puis il dit, oui, je l'ai fait. Je t'ai pardonné. Personne n'a su. Et personne ne saura. Et à ce moment-là, c'est à la fin, il lui dit, maintenant va au paradis. Et pourquoi il lui a fait ça? Pour qu'il n'oublie la miséricorde qu'il lui a accordée, tout simplement. Ce qu'il n'a pas oublié. Ben pour vous dire que personne parmi vous, nous tous, n'entrerons au paradis grâce à leurs œuvres. Il l'a dit. Le Coran l'a dit. Le prophète, alayhissalam, l'a dit. Il l'a dit. Le paradis est c'est un cadeau d'Allah. C'est sa miséricorde. L'enfer, c'est parce qu'on le mérite. C'est sa justice. Une rahima.